On m'a donc demandé de bien vouloir commencer la séance d'aujourd'hui pour vous présenter les résumés des ateliers d'hier. Je suis John Lebski de l'École des études avancées de l'Université de Washington et j'ai l'honneur de présider l'atelier sur la finance et l'économie. Alors, nous allons passer en revue un peu les discussions très intéressantes que nous avons eues hier avec un groupe de panélistes très très bien informés. Donc, nous allons commencer par revoir les prévisions économiques. Vendredi, il y a eu une séance plénière présidée par le professeur Richard Cooper qui était basée sur les perspectives économiques mondiales, rapport qui a été publié récemment par le FMI, qui donc porte sur les prévisions mondiales qui peuvent être considérées comme bénignes et positives. L'idée étant que les prévisions au cours des années de l'année à venir va accuser une croissance assez lente et avec une inflation assez réduite. Et donc, les membres du panel n'ont pas eu de problème avec cette approche, mais nous avons cependant discuté des différences et des problèmes actuels dans les principaux pays industriels qui vont affecter directement les marchés financiers, notamment aux États-Unis, à cause donc de la lenteur des investissements qui reste un problème à long terme. Il y a également donc l'équilibre fiscal et ainsi que donc les propositions de la nouvelle administration qui va contribuer à augmenter le déficit. Dans la zone euro, la croissance s'est améliorée. Cependant, il y a très peu d'investissements, très peu de croissance en matière de productivité, bien que la participation s'accroisse. Et bien sûr, ceci est directement dû au Brexit. Alors, le consensus était que les perspectives pour le Japon, les perspectives de croissance au Japon restent favorables, comme ceci a été le cas depuis quelques années. Donc la croissance a été meilleure qu'anticipée et l'inflation au Japon est très faible. Et la Banque du Japon donc, a émis des politiques en vue de changer cette situation. Nous avons aussi parlé des risques. Et nous avons identifié le fait qu'à moyen terme, il y a des questions fondamentales auxquelles il faudra répondre. Cependant, les principaux risques proviendront des développements politiques et géopolitiques. Nous avons également examiné les politiques monétaires et nous nous sommes posé quelques questions. Tout d'abord, il y a des politiques très agressives émises par les banques centrales qui ont contribué à la création de vides qui peuvent créer des risques de stabilité à moyen terme. Nous nous sommes demandé également si le vrai risque va être considéré par dans certaines politiques émises par ces banques centrales afin de créer donc une stabilité vis-à-vis du risque. Le consensus qui s'est dégagé du groupe, c'est que dans tous les cas, il semble qu'il n'y a pas de risque imminent, bien que les prix des produits semblent élevés, il n'y a pas vraiment de raison pour un déclin rapide. Et il ne devrait pas y avoir de changement brutal de la part des banques centrales. Les crises, bien sûr, sont des choses que l'on ne peut prévoir, car lorsqu'on peut prévoir les choses, en général, ça ne peut pas déboucher sur des crises. Nous avons également entendu une présentation très intéressante de la Banque centrale du Liban,
sur un programme très intéressant. Et ensuite, on s'est concentré sur le secteur financier. Encore une fois, par rapport aux discussions que nous avons eues, eh bien, nous n'avons pas identifié de signes de risque immédiat pouvant découler sur des problèmes sérieux. Et les problèmes sérieux, en fait, ont tendance à émerger de façon inattendue. Nous savons que depuis 2008, il y a eu des mesures substantielles prises pour promouvoir la stabilité du secteur financier ainsi que son efficacité, y compris les niveaux de capitaux croissants dans le part, de par le monde, the G-SIBs, the globally systemically important banks, new regulations. Il y a de nouvelles réglementations également, de l'imposition de tests de stress, les progrès sur les mécanismes de résolution, les limitations sur les compensations ou les dédommagements. Dans certains pays, il y a de nouveaux mécanismes pour les politiques macro, ainsi que de nouvelles réglementations, de nouvelles réglementations pour le secteur bancaire. Donc beaucoup a été fait au niveau des réglementations qui ont pour contribuer à la stabilité donc, du secteur financier. Cependant, comme nous l'avons noté en général, ces réformes avait un caractère unique car elle n'était pas guidée ou orientée par une vision de par rapport à ce à quoi devrait ressembler le système financier dans le futur. Donc ces réglementations visent à s'attaquer à cette émergence. Alors au niveau de la discussion, c'est concentré également sur le manque de finalité des réformes et sur la perception que le capital n'est pas assez bien alloué dans certains pays. Nous avons parlé également du climat d'investissement faible, notamment dans les pays avancés. Nous avons également parlé du besoin de financement pour le changement climatique qui n'était pas disponible malgré la nécessité de développer de telles ressources financières. Nous avons également parlé du manque de finalisation des réformes au niveau du système bancaire et nous avons parlé des problèmes potentiels causés par les nouveaux instruments qui ont été introduits dans le système bancaire au cours des dernières années. Nous avons également parlé des risques qui semblent être associés à la montée de la concentration dans le secteur financier. Nous avons également parlé, bien que des efforts aient été déployés pour mettre en place des politiques macro, il est difficile de dire qu'elles reflètent vraiment les mécanismes actuels qui conviennent. Nous avons également discuté des innovations que l'on appelle FinTech, l'impact de la technologie dans le secteur financier. C'est un terme assez large. Et chaque institution financière est pilotée ou est orientée par la nécessité de technologie. Donc FinTech est une idée assez large. Donc, mais ensuite, bon, on n'a pas trop parlé en fait de la de la monnaie cyber et aussi de la possibilité aussi, nous avons parlé de la possibilité que si ces monnaies virtuelles deviennent
prévalente, eh bien, qu'elles seront soumises à une certaine réglementation. Aussi, les discussions ont reconnu les progrès essentiels qui ont été accomplis depuis la crise, mais elles ont cependant reflanté une certaine satisfaction par rapport aux réformes réglementaires. On a également reconnu le fait que, malgré le succès relatif de pallier aux effets négatifs de la crise économique au niveau de l'économie mondiale, il n'y a pas de mécanisme efficace qui a été mis en œuvre pour la prévention des crises au niveau du système financier mondial. Le FMI n'a pas d'instrument de prévention des crises à sa disponibilité et les allocations, enfin le fonds également n'a pas de mécanisme de prévention de crise. Donc, l'économie mondiale semble être en bonne santé, se porte bien et le système financier jouit à de nombreux égards d'une augmentation donc des produits et une augmentation de l'activité. Donc à court terme, les choses devraient bien se passer, mais il faut continuer à se concentrer sur l'amélioration de la structure du système financier. Sur ce, je vous remercie.